au cours de cette réunion. Deux stratégies ont été montées. Regardez. Tenue ce mardi 16 janvier 2024 à Goma d'une réunion stratégique entre le commandant de la force terrestre des FRDC et commandant des opérations en province du Nord et du Sud Kivu, le lieutenant général Falsi Kabwe et le commandement de la force de la SADC Samir RDC. Selon le lieutenant général Falsi Kabwe, la force de la SADC est bel et bien présente au Nord Kivu pour opérer aux côtés des FRDC dans les opérations contre les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. Nous avons les Sud-Africains, nous avons les Malawites, nous avons les Tanzaniens, mais ce ne sont pas les seuls parce que derrière il y a toute la nébuleuse SADC qui est derrière la mission Samir en RDC. La SADC est venue en appui aux forces armées de la République démocratique. Donc, il travaille avec les forces armées de la République démocratique. Le commandant force terrestre, le lieutenant général Falsi Kabwe, précise que la force de la SADC est différente de celle de l'EAC et vient pour des vraies opérations offensives. Et là, sa mission, eh bien, c'est une mission offensive. Elle est dans leur chapitre 6, c'est-à-dire la mission offensive, qui est comparable au chapitre 7 de Nations Unies. L'EAC, c'est une chose, ils ont fait leur travail à leur façon, et la SADC, c'est une autre chose qui va faire son travail à sa façon. Et la SADC, comme je venais de le dire, la population déplacée devrait faire confiance parce que dans cette mission offensive, une mission offensive consiste à récupérer les territoires qui ont été illégalement occupés par l'ennemi. Et une fois ces territoires récupérés, la population pourra rentrer à l'aise dans son terroir. Soulignons que c'est depuis la mi-décembre 2023 que cette force de la SADC a commencé à fouler le sol congolais. C'est un héros pour toute une nation. L'homme a donné sa vie pour protéger la mère patrie Kinshasa. C'est souvent de Mousé Laurent-Désiré Kabila. Un culte d'action de grâce a été organisé. C'est 16 janvier 2024 en sa mémoire. Le résumé dans ses reportages de Dylan Kayumba. L'ignoble assassinat de Mzé Laurent-Désiré Kabila reste gravé dans la mémoire collective. Ce mardi 16 janvier 2024, date commémorant la mort du troisième président de la RDC, la famille de l'illustre disparu, ici représentée par Madame Olive Lembe Kabila et Janet Kabila, les membres du gouvernement Sama Lukonde, les représentants des confessions religieuses, les cadres et militants du FCC, du PPRD, et les Congolais, venus de 24 communes de Kinshasa, tous ont marqué leur présence à ces cultes d'action des grâces en mémoire du soldat du peuple à la cathédrale du centenaire protestante. Dans son homélie, l'officiant du jour s'est inspiré du livre de Deux Rois au chapitre 22, versets 2 jusqu'à 20, livre qui parle de l'avènement du roi Josias en Israël, type de roi nationaliste qui aime son pays jusqu'au sacrifice suprême à marteler l'homme de Dieu. Un roi à la trempe de Mzé Laurent-Désiré Kabila contre les antivaleurs à la recherche de l'intérêt général pour le plus grand bonheur des Congolais, a poursuivi l'orateur. Les ministres de Dieu a invité l'assistance à suivre leur modèle du roi Josias et de Mzé, tous de une école des valeurs dont le Congo a besoin en cette phase des reconstructions. Toutefois, l'orateur n'a pas manqué de mettre un accent sur les testaments nous légués par Mzé Laurent-Désiré Kabila, à savoir « ne jamais trahir le Congo », expression de ses idées forces axées sur la sauvegarde de la souveraineté et le développement de la RDC. Enfin, la famille Mzé Laurent-Désiré Kabila n'a pas manqué de remercier l'Église du Christ au Congo et l'assistance venue honorer la mémoire du soldat du peuple. Restons dans le même chapitre, on l'appelait soldat du peuple, le testament de Laurent-Désiré Kabila, troisième président plutôt de la RDC, résonne encore dans l'esprit de l'homme Congo. L'un ne jamais trahir le Congo, on écoute ces quelques Congolais qui réagissent dans un récit de Jacques Aboua Mukumina Seduka. Une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire collective et résonnera
comme un signal pour l'éveil patriotique. Le 16 janvier, les Congolais de toutes les tendances, émis par une seule volonté, se souviennent de cet homme d'État, Mzé Laurent Désiré Kabila, qui est allé jusqu'au sacrifice suprême pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Mzé s'est fié un grand président, un grand homme d'État, qui est arrivé au pouvoir après 32 ans de règne de Mobutu. Il y avait beaucoup de désordre dans le pays, mais il a su vraiment amener les Kinois surtout à respecter les règles de la vie à Kinshasa. Il était intelligent, et puis il a su vraiment diriger le pays comme il faut. C'était quelqu'un qui était nationaliste, qui aimait bien son pays, mais depuis qu'il est parti, après lui, il y a les gens qui ont fait semblant d'aimer le pays. Actuellement, nous espérons aussi avec le nouveau président, nouveau réélu, nous sentons à lui aussi l'amour du pays. De bons souvenirs pour lui, ce qu'il faisait, les projets, les images qu'il nous a laissées. Si on avait gardé jusqu'à aujourd'hui, moi je pense qu'on allait peut-être progresser dans beaucoup de choses. D'abord en créant les services nationaux. On avait eu un embargo pendant certaines années. On vivait des non-ressources à nous. Chose qui est déjà bon. On était bien dans ce pays. Donc, il avait instauré un système de petit peuple. Voilà. C'est quelque chose de bien, de bon. Et si on pouvait continuer avec ça aujourd'hui, ça allait être bien. C'était un moment de partage, des souvenirs et des réflexions sur les idées forces de Mzé Laurent Désiré Kabila à pérenniser afin de bâtir une nation forte, debout et prospère dans la cohésion nationale sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quittons Kinshasa pour la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. C'est mardi 16 janvier 2024 de célébration. Ont été organisés en présence de plusieurs personnalités pour se rappeler de Mzé Laurent Désiré Kabila, cet ancien président de la RDC. C'est la paroisse Jérusalem de l'église méthodiste unie qui abritait les cultes d'action de grâce organisés par la mairie de Lubumbashi, chapeautée par le maire Martin Kazembe Shula. C'était à l'occasion de l'an 23, depuis la disparition du soldat du peuple, Mzé Laurent Désiré Kabila, et le 63e anniversaire depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le tout premier premier ministre congolais. La cohabitation pacifique, tel est le thème développé par l'officiant du jour, l'éminent pasteur Olivier Sakanono. Matthieu chapitre 5, verset 9, et Ephésiens chapitre 2, du 13e au 17e verset. Tels sont les passages développés pour appeler les uns et les autres à cultiver la paix avec tous. Savoir s'accepter comme le Christ a approché les Samaritains, les lépreux et les autres. Savoir se supporter mutuellement, à l'exemple de la lettre de Paul aux Éphésiens. Savoir s'estimer comme Mzé Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba ont eu l'estime envers les Congos et les Congolais. Savoir s'aimer les uns et les autres comme Christ a aimé le monde et comme Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba ont aimé les Congos. Savoir se sacrifier pour la nation et pour les autres comme nos héros nationaux. Voilà autant de concepts recommandés pour vivre en harmonie. L'homme de Dieu, Olivier Sakanono, a aussi prié pour les autorités congolaises avant de les inviter à veiller sur le social des Congolaises et Congolais. L'offrande est notre temps fort, marquant cette messe qui a connu la participation de plusieurs personnalités, dont le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, représenté par son ministre provincial des Finances, John Muloba Kitongé, les membres du Conseil provincial de sécurité, les différentes formations politiques, dont les PPRD, les membres de la famille biologique de Mzé Laurent Désiré Kabila et les autres. Après les cultes, tous se sont rendus au monument du soldat du peuple, dit Muyo Achuma, pour les dépôts des gerbes de fleurs. Allez, on change carrément de chapitre, puisque une nation forte doit aussi se construire avec de personnes en bonne santé. Eh bien, les ambulances ont été remises à de formations médicales en RDC. Rodépanda. La couverture santé universelle prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se matérialise jour après jour. Et c'est pour répondre de manière rapide et efficace aux urgences sanitaires que le gouvernement de la République,
par l'entremise du Bureau central de coordination sous le leadership de son directeur général, Jean-Mabi Mulumba, vient de remettre ce lundi 15 janvier 2024 au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention un lot de 7 véhicules ambulances médicalisées dans le but d'assurer le service d'aide médicale d'urgence. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Docteur Samuel Roger Kamba, qui a réceptionné les clés de ces véhicules, s'est dit satisfait de la qualité des équipements et félicite le BCECO pour les choix des partenaires. Mais le sens il est très simple, on est en train de réceptionner cette ambulance médicalisée de très bonne qualité pour assurer les services d'aide médicale d'urgence. Faisons confiance à BCECO depuis longtemps et BCECO dans son choix des partenaires et à l'occasion de cette livraison, le choix du partenaire a ramené des équipements de très bonne qualité et qui pour nous répondent à nos attentes. Il s'y est de noter que ce lot de véhicules est un don de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et Essor Equipment, recruté sur base compétitive, a fourni un équipement qui répond aux attentes de la population. Rendons-nous dans la province du Lualaba, Kolwezi précisément. La gouverneure Fifi Masuka Saini, élue députée nationale et dédie sa victoire à Dieu. Elle a également remercié le garant de la nation pour avoir donné l'opportunité de démontrer que la femme peut aussi contribuer activement au développement de la RDC. Circonscription de Kolwezi-Ville, 3 sièges, Masuka Saini Fifi. De A24. L'annonce de la victoire écrasante de la gouverneure du Lualaba après la publication des résultats provisoires à la députation nationale par la Commission électorale nationale indépendante dans la nuit de samedi 13 au dimanche 14 janvier 2024 a été accueillie avec des scènes de liesse dans les rues de Kolwezi. Les Kolwéziens se sont invités spontanément à la résidence de Marie-Thérèse Masuka Saini, maillot jaune de Kolwezi. Ses électeurs l'ont amené à faire une marche sur différentes artères de la ville. Ils étaient nombreux à chanter et danser glorifiant Dieu d'avoir permis à Masuka Saini de décrocher haut la main un siège parmi les 3 réservés au chef-lieu de la province cobaltifère. S'adressant par la même occasion à tous les Lualabais, elle a dédié cette victoire à son Dieu avant de prêcher le pardon à tous ceux qui se sont livrés aux actes de vandalisme à l'encontre de son équipe de campagne et de sa personne. La chef de l'exécutif provincial a une fois de plus invité ses administrés à l'unité et à bannir toute forme de division à caractère tribal. Masuka Saini a remercié son équipe de campagne pour d'énormes sacrifices consentis. L'ancienne candidate numéro 22 à la députation nationale circonscription électorale de Kolwezi a mis ce triomphe sous le signe de la... Dans un chapitre similaire, le docteur Fidèle Mouké est l'un de 3 élus à la députation nationale dans le territoire d'Irumo, dans la province de l'Ituri. Il a été célébré par ses électeurs. Retour en image. Circonscription électorale de Idjui, Wabidje Kasi Théo, UDPS Tshisekedi. Et voici l'homme, Théo Wabidje Kasi, gouverneur du Sud-Kivu, nouvellement élu député national selon les résultats provisoires rendus publics par la centrale électorale. Consécration d'une lutte non la moindre menée dans son Idjui natal. Au-delà de tout, c'est une victoire obtenue sur terrain pour ce bâtisseur qui tient à relever les défis de développement de ce territoire insulaire, en témoigne des actions colossales déployées sur terrain par les bulldozers politiques qui a donné vie à une route qui n'existait plus, reliant la chefferie Rubenga à la chefferie Ntambuka, respectivement Idjui Nord à Idjui Sud. Construction d'écoles par-ci, modernisation des structures sanitaires par-là et plusieurs actions sociales comme s'il en pleuvait, Théo Wabidje Kasi est le prototype d'homme d'État qui a mis son abnégation au service des siens, les Banidjui. Du nord au sud, au volant de sa jeep ou à bord d'un jeune navigant, courage, force, détermination, il les a tous incarnés sur les champs de bataille
Tel un guerrier, il a ratissé large jusque dans les retranchements des derniers électeurs vivant dans les îlots, avec un seul mot d'ordre, voter pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'élection présidentielle et pour lui-même aux législatives nationales. Le score stalinien de 96% obtenu par le président de la République a dû et le couronnement du travail de ses disciples du peuple d'abord. À l'issue des récentes législatives, l'IDP s'est devenue la première force politique au Sud-Kivu pour la première fois de l'histoire grâce à son porte-étendard Théon Gwabidje Kassi qui a balisé le chemin. Il sait au sein de la chambre basse du Parlement, c'est à son tour d'être récompensé par ses frères et sœurs du territoire d'Idjui, rangé derrière leur désormais capitaine Théon Gwabidje Kassi, qui a toujours démontré que la volonté de servir peut vaincre tout obstacle. Malgré plusieurs tumultes, il est resté droit dans ses bottes face à des détracteurs politiques qui ont choisi jusqu'à la dernière minute les antivalaires comme mode de nuisance. Vous allez corriger avec nous, il s'agit plutôt de la rencontre de réjouissance après la proclamation ou la victoire du gouverneur du Sud Kivu à la députation nationale dans la circonscription électorale dit Ouigi. Et puis la réélection de Félix Tshisekedi pour un second mandat à la tête de la RDC réjouit le cœur des habitants du Kwilu. Son gouverneur, avec ses administrés, salue cette victoire qui, selon eux, démontre la confiance d'un peuple à son président. Regardez. Le processus électoral continue son bon nombre de chemins. À l'ordre des résultats des scrutins du 20 décembre dernier, les langues se délient au vu des vérités des urnes. Mais binomogo bomoni résultat au topesi 88% pour un chef de l'État. C'est-à-dire tolagis que les villes à opposition. Nous remercions beaucoup le Seigneur. Gardons notre calme, soyons sereins, mais soyons unis tous les Congolais pour que le Congo continue à vivre. Les élections sont passées, mais la vie continue. Le vice-gouverneur de la province du Kwilu, Félicien Kiwaïmoïd, s'exprime en ces termes. Nous venons de vivre une élection présidentielle historique. Ce 20 décembre 2023, où Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État sortant, est réélu avec un suffrage prestigieux, ayant bâti un exploit particulier depuis 1960 à nos jours. Nous félicitons les candidats de l'Union sacrée de la nation. Et nous pensons que la continuité du développement à la base trouve ici ses vraies racines. Cette victoire des Congolais et Congolaises ne doit pas échapper à la province du Kwilu et surtout à la ville de Bandundu. Et nous invitons la population à la vigilance et au calme avant et après la proclamation des élections législatives et municipales. Élections, toujours la jeunesse de l'UDP salue l'élection d'un douleur en la personne d'Abissi Makutano. Il se réjouit de la victoire de l'actuel chef de l'État à la présidentielle du 20 décembre 2023. La Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social est très heureuse de voir l'un des leurs, en la personne d'Amissi Makutano, Adolphe, être élu député national. C'est dans cette optique que ces jeunes du parti au pouvoir de la Fédération de la FUNA se sont réunis autour de leur leader pour célébrer la victoire d'Adolphe Amissi Makutano. Dans une ambiance chaleureuse, l'homme du moment et leader de la FUNA a rendu grâce à Dieu Tout-Puissant qui est le maître des temps et des circonstances, sans oublier les hommages déférant au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a profité de la même occasion pour remercier sa base de la FUNA pour la confiance placée en lui et a promis de travailler pour le bien-être de la population congolaise en général et en particulier celle de la FUNA. Le maître des temps et des circonstances qui a permis que ces jours soient ainsi. Nous tenons à remercier le président de la République, chef de l'État, qui a permis à cette institution CENI de pouvoir organiser les élections dans les délais constitutionnels. Pour ce fait, nous en sommes très reconnaissants. Nous tenons à remercier les responsables du parti qui ont crié à notre performance. Je tiens à remercier l'ensemble de notre peuple en général et surtout particulièrement à tous les habitants de la FUNA parce que ce sont eux qui ont exprimé leur suffrage à notre égard
Et bien entendu, aujourd'hui, nous sommes appelés députés. Je pense que cela n'est pas un privilège, mais c'est une lourde charge. Mais nous sommes prêts par rapport aux défis qu'il faut relever ensemble. Avec le président de la République et son gouvernement et l'ensemble de notre peuple, je crois qu'avec cette détermination, nous allons y arriver. Cette législature sera composée des jeunes dynamiques, dignes, déterminés pour apporter un changement total et aider le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de réaliser ses projets de société. Voilà ce qui motive Amissi Makutano à travailler positivement au sein du Parlement. Deux associations et formations politiques dans la commune de Limété apportent leur soutien au président de la RDC. Pour elles, le président Félix Tshisekedi représente encore deux acquis à préserver tels que la gratuité de l'éducation de base et la gratuité de la maternité. Suivez. Sa réélection est un signe de confiance de tout un peuple à son président. Proclamé par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi, encore 5 ans à la tête de la RDC, ces pays continents. Sa victoire est aussi le fruit d'un travail de titan, abattu par des associations et structures issues de l'IMET. C'est 16 janvier 2024. Elles expriment leur attachement aux garants de la nation. Nous vous exprimons notre attachement et vous assurons notre soutien indéfectible, ainsi que notre disponibilité en vue de vous accompagner pour la matérialisation de votre vision pour notre pays. Une déclaration politique qui témoigne que désormais Félix Tshisekedi, actuel chef de l'État RD congolais, demeure le président aimé par son peuple, peu importe le coin.